and we're king of the game. After we come, you say, follow me down. Watch out when you son. Eternal in Africa. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Bosco, tu n'as pas vu le tas de la maison? Arrange ça vite! Hey! Tu ne sais pas que c'est toi qui es supposé arranger cette maison et non moi? Tu ne sais pas que tu es une fille? Moi, je suis une fille. Bosco, je te préviens, tu ferais mieux de l'arranger. Dans ta nourriture. Tu n'as rien mis. D'accord. Ok, laisse-moi goûter la tienne. Manger ces bonbons, ces bonbons, bon, ces bonbons. Manger ces bonbons, ces bonbons, bon, ces bonbons. Précieuse. Est-ce que tu as pris ton déjeuner? Oui, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, ma nourriture était trop salée. Qu'est-ce que tu racontes? Bosco, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Précieuse, qu'est-ce que tu racontes? J'avais laissé de la nourriture pour toi et Bosco avant de quitter la maison. J'avais personnellement préparé cette nourriture et ce n'était pas salé. Alors qu'est-ce que tu racontes?
Maman, je te dis que ma nourriture était trop salée, alors je ne pouvais pas la manger. Allez, tais-toi. Bosco. Oui, maman. Avais-tu mangé ta nourriture? Oui, maman. Dis-moi, est-ce qu'elle était trop salée? Cette nourriture était la plus bonne nourriture que je n'ai jamais mangée de ma vie. Précieuse. As-tu entendu? Maman, je ne mens pas. Précieuse? Précieuse. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la façon dont tu te comportes dans cette maison ces jours-ci. Je n'arrive pas à les supporter, ça m'énerve. Maman, je dis la vérité. Allez, tais-toi. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe, précieuse? Pourquoi tu agis ainsi? Hein? J'ai l'impression de me retrouver devant une autre personne. Je ne te reconnais plus. Ça, c'est pas ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Finis de manger et tu me rejoins. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Entre. Bébé. Je veux que tu sois heureuse. Tu étais seule pendant de très longues années. Et tu t'es lamentée parce que tu n'avais pas de frère. C'est pour cette raison que je m'étais décidée de ramener Bosco. Pour que tu puisses avoir un frère. Écoute, ce qui s'est passé dans l'après-midi n'était pas bon. Tu es en train de t'éloigner volontairement de Bosco. Il est allé manger seul de son côté. Pourquoi tu fais cela? C'est pas bien. Ça ne doit plus jamais se répéter. Maman, j'avais dit la vérité à propos de ma nourriture. Maman, franchement, ma nourriture était très salée. Ce n'était pas du tout bon. Précieuse, précieuse, précieuse. J'avais mangé cette même nourriture. Et Bosco aussi l'avait mangée. Et c'était très délicieuse. Pourquoi la tienne serait mauvaise? Maintenant, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta nourriture? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Essayes-tu de dire que Bosco et moi, nous sommes en train de mentir? Maman, je n'ai même pas dit ça. Précieuse, ma chérie, s'il te plaît, ne refais plus cela, ok? D'accord, maman. Tu dois être sage. Ça, c'est mon bébé. Alors, tu peux aller au lit. D'accord, maman. Bonne nuit. Merci pareillement, maman.
Bosco, pourquoi tu fais ça? Bosco, pourquoi tu fais ça? Bon retour, maman. Comment vas-tu? Bien. Je peux voir que tu fais tes devoirs. Ok. Où est Bosco? Hein? Comment tu vas? Je vais bien, maman. Je vous ai apporté quelques habits. Précieuse, ça c'est pour toi. Et le reste c'est pour Bosco. C'est pour Bosco. Merci. Bosco. Merci. Boum. J'espère que ça te plaît. Merci, maman. Je t'en prie. J'espère que ça te plaît. Oui. Les gars, pouvez-vous au moins le mettre dans vos chambres? Maman, pourquoi tu as seulement acheté deux pour moi? Oui, précieuse. Parce que tu as beaucoup d'habits que tu n'as jamais portés. J'ai été partie faire le shopping uniquement pour Bosco. Mais je me suis dit que je ne peux pas seulement acheter pour Bosco sans que je ne t'achète ne serait-ce qu'un habit. C'est pour ça que je t'ai apporté ceci. Tu devrais te réjouir. Alors va dans la chambre et classe-les dans le dressing. Quant à moi, je pars rapidement dans la cuisine préparer. Ok. Précieuse, Bosco va commencer l'école demain. Il ira avec toi. Quoi? Cette gourde. Ah ouais? Ah ouais? C'est pour lui. Maman, attends, s'il te plaît. Tu veux dire qu'il va étudier dans mon école? Oui, précieuse, je parle de ton école. Toi et ton frère, vous allez commencer à étudier dans le même établissement, ok? Tu n'es pas contente? Oh, allez, Bosco, mets ces histoires dans la chambre et rejoins-moi dans la cuisine. D'accord? J'ai beaucoup d'habits et pas toi. J'ai beaucoup d'habits et pas... Oh! J'ai beaucoup d'habits et pas elle. Tu penses que tu peux venir vraiment chez moi et prendre ma place juste comme ça? Non, je ne peux pas te le permettre. Quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Dis-le maintenant, sinon je t'accuse. Tu quoi? Maman m'avait envoyé voir si tu dormais déjà. Bon sommeil. Bonne nuit à toi. Allez, va-t'en d'ici.
Ah, ah. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui retient ces enfants? Où êtes-vous? Faites vite, vous serez en retard! Précieuse? Mais qu'est-ce que vous faites jusqu'à cette heure, croyez-vous? Maman, je suis là. Précieuse, où est ton frère? Je ne sais pas, maman. Où est-il? Bosco? Entre dans la voiture. Fais vite! On est déjà en retard. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe! Bosco, arrête de faire ça, on est déjà en retard. Ah, allez, maman! Bosco. Maman! Qu'est-ce que maman, se passe? Qu'est-ce que tu as? Aïe! J'ai mal, j'ai mal! Bosco, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Maman! Bosco! Maman! Aïe! Arrête! Aïe! Aïe. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, aïe! 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 Je ne sais pas, mon corps est en feu. Ah, ah. Désolée, attends que j'appelle. Ah. Au téléphone, au téléphone. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ton fils, mon fils. Oh mon Dieu, ah. Portier, où es-tu? Qu'as-tu fait? Où es-tu? Mon Dieu, maman, maman. Maman, je t'en prie, calme-toi. Bosco, Bosco. Aïe. Ah. Cette peur. Maman, maman, j'ai mal. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Mais il est dans la voiture. Dans la voiture, aide-moi. Aïe. 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 Maman. Maman. Aïe! 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 Allez, ouvre-moi vite ces portails! Ok, madame. Hey! Précieuse, fais sortir son sac. Ça va aller, ok? Courage. Lentement, mon fils. Ça va aller, ok? À cause de toi, je ne suis pas partie à l'école aujourd'hui. Précieuse, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tous ces derniers temps, tu ne fais quitter la montée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu aurais souhaité que je t'amène à l'école et laisser ton frère souffrir? Mais maman, ce n'était pas à cause de moi. Tu devais commencer par me déposer à l'école. Vais-tu la fermer? Apprends à bien te comporter, ma fille. On y va à la maison. Courage, Bosco. Ça va aller. Thank you.
Bosco, comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Dieu merci, tu vas bien. Bosco. Oui, maman. J'aimerais te poser une question. Quelle question? As-tu par hasard utilisé un insecticide comme parfum? Non, maman, je ne l'ai pas fait. Ce matin, je l'avais senti sur tes habits. Et l'insecticide est très dangereux pour la santé. Le docteur aussi l'a confirmé. Je t'en prie, mon fils. Si tu as besoin de déodorant, de parfum ou quoi que ce soit, juste dis-moi. Et je vais te les donner, mon fils. Mais s'il te plaît, n'utilise plus ce qui est dangereux pour ta santé. Ok? D'accord, maman. Allez, sois sage. Maman, et alors moi? Et alors toi quoi? Tu es en parfaite santé, précieuse. C'est bon, les gars. Je vous laisse. Je m'en vais dans la chambre. Ok? Restez calme. D'accord, maman. Je m'en vais. Merci. Ok. Quoi? Je sais que tu l'as fait, n'est-ce pas? Faire quoi? Ce qui m'est arrivé ce matin. Je ne sais pas de quoi tu parles. Précieuse? Oui, maman. Maman, je suis là. Où se trouve ton sac à goûter? C'était seulement ici. C'était ici. Ça, c'est pour Bosco. Où se trouve le tien? Je ne sais pas. Précieuse, ne me dis pas que tu l'as oublié à l'école. Maman, c'était seulement ici. Mais... Mais quoi? Mais quoi? Bosco? Bosco? Eh oh mon Dieu! Maman. Arrête-moi ça, dégrâce. Où se trouvent les sacs de précieuses? Je ne sais pas où elle a gardé, oh. Tu ne connais pas l'endroit où elle l'a gardé.
Donc, aucun de vous deux ne connaît l'endroit où ça se trouve. Maman, je ne sais pas où ça se trouve. Que le Seigneur soit avec... Parle-moi de sa pitié. Vous avez intérêt de le trouver avant que je ne me fâche. Écartez-vous de mon chemin. Peux-tu la fermer? Paille. Arrête-moi ça. Allez. Mais vas-y, merde. Oui, c'est ça, vas-y. Allez, fonce. Allez. Tu ris, hein? Je t'aurais. Précieuse, veux-tu maintenant me répondre? Je te demande qui a déchiré tes cahiers. Maman, je ne sais pas. Regarde bien tes cahiers. Mais qu'est-ce que tu racontes? Précieuse? Essayes-tu de me mentir? Maman, je dis la vérité. Je ne sais pas qui a fait ça. Tu dis la vérité? Pendant que... Regarde ça. Pendant que ton cahier se trouve dans cet état, c'est depuis quand que tu as commencé à arracher de feuilles? Réponds-moi tout de suite. Qui a fait ça? Maman, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Regarde ce que tu as fait à tes cahiers. Ça, tous tes cahiers sont dans cet état. Regarde un peu l'état. Et tu me réponds que tu ne sais pas? Maintenant, tu vas me dire qui l'a fait. Ou soit je vais te chicoter. Non, maman, s'il te plaît, ne me fouette pas. Alors, qui l'a fait? Je ne sais pas. Allez, tais-toi! Tu continues à mentir. Tu ne sais pas? Qui d'autre écrit dans tes cahiers si c'est pas toi? Comment ça tu ne sais pas? Tu refuses de parler? Je peux apprendre le fouet. Maman, s'il te plaît. Enlève ces histoires d'ici. Oui, allô, où es-tu?
Oui, alors où exactement? Oui. Attends un instant, j'arrive. Point, 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 point. J'ai fait. Tu peux t'en aller, mais je l'ai fait. Ah, je suis vraiment désolée, mon amour. J'étais occupée avec les enfants. Mais où es-tu? Ah, ok. D'accord. Adamo, ouvre le portail. Pourquoi ne lui avais-tu pas dit que c'était moi qui avais déchiré tous tes cahiers? Bosco, donc c'était toi? Tu as déchiré mon livre d'exercice? Oh, tu penses que je ne me souviens pas de ce que tu m'as fait la dernière fois? Ce n'est pas la fin, Bosco, je te promets. C'est quand et où tu veux, ma chère. Je peux t'en donner autant que tu voudras. On verra. Entre, chérie. Sois le bienvenu dans mon humble demeure. Waouh! Quel bel endroit! Merci. C'est beau! Je suis ravie que ça te plaît. Ouais, et qui est ce petit minuscule? Frère Marcus, tu es venu te... Qu'est-ce que c'est que ça? Avec toi? C'est comme ça qu'on salue un étranger? Bonjour, vraiment? Monsieur! Oh, bonjour, comment tu vas? Bien. Oh, bon garçon. Oui. Alors, pourquoi tu me regardes comme ça? Et qui est-il, bébé? Chérie, lui, c'est mon fils. Je viens de l'adopter de l'orphelinat il y a quelques jours. L'orphelinat où même tu avais l'habitude de venir nous voir. Tu ne t'en souviens pas? Frère Marcus. Oh, moi? Bosco. Oh, quoi? Bosco. Comme il n'arrive pas à me comprendre, bébé, je pense que je dois lui expliquer moi-même. Okay. Je réponds au nom de Daniel. Et mes amis m'appellent Danky, ok? Aux USA. Je débarque fraîchement des États-Unis d'Amérique, ok? Et donc, je viens d'arriver. Alors, si tu m'as vu avant, peut-être ce maintenant ou probablement dans tes rêves, ok? Ok, c'est bon, chérie. Yeah. Je vais moi-même lui expliquer. Je te présente oncle Daniel. Ouais. Danky. Donc, tu choisis un nom entre les deux. Il ne s'appelle pas Marcus. Ok? Il revient des États-Unis. Donc, il va commencer à rester ici avec nous. Souhaite-lui la bienvenue. Ouais. Il n'est pas du tout celui que tu penses. Ok, d'accord. Alors, salut, chérie, bébé. En passant, pourquoi est-il si gros et si court? Oui, il mange beaucoup. Oh, vraiment? Mais c'est un bon garçon. Ah, c'est bon. J'en suis sûre que tu vas l'aimer. Oui, je l'apprécie. Mais, ça ne serait pas le frère Marcus? Ma quoi? Les gens ne se ressemblent pas comme ça. Frère Marcus. Oh, on y est, bébé. Oh. Tada! Oh, mon Dieu! Oui, on y va. C'est très beau. Tu ne m'avais pas dit que c'était... Oh, mon Dieu!
Oui, bébé. Tu es tellement splendide. Vraiment, viens là. Oh, viens là. Alors dis-moi, par où vas-tu commencer? Par ma main, mes orteils? Je ne te le dirai pas, c'est un secret. Oh, vraiment? Tu le verras seulement. Je suis impatient. Bébé. Bébé. Pourquoi étais-tu si sucrée? Oh mon Dieu. Arrête. Oh bébé, tu as failli sortir mon cerveau de ma tête. Je te le dis. Toi vraiment. Viens là. Tu m'as beaucoup manqué. Oh vraiment? Oui. Bébé, les mots ne peuvent pas exprimer combien j'ai toujours voulu que nous soyons ensemble. Voyons. Bébé, l'essentiel est que nous sommes à nouveau ensemble. Oh mon Dieu. Et très heureux. Oh, pour toujours. Pour toujours, cette fois-ci. Pour toujours. Je ne suis pas prêt à perdre ça. Jamais je ne te laisserai aller loin Bébé, de moi. À chaque fois que j'attendais ta voix au téléphone, je me mettais dans un autre état. Oh mon Dieu. Bébé, arrête. Sérieux. Bébé, tu sais quoi? Maintenant que je suis là, tu peux m'avoir à tout moment, encore et encore et encore. Voilà. Oh, bébé, écoute, je dois juste me laver et m'apprêter pour le boulot. Bon sang. Oh, moi. Les temps? J'ai oublié. Quoi? J'ai pas fait les dîners pour les enfants. Et toi? Oh, tu es censé manger quelque chose. Qu'est-ce qui nous arrive? S'il te plaît, laisse-moi aller à la cuisine et faire quelque chose à manger. Et quant à toi, bébé, je dois te faire un plat spécial. Et... Je dirai alors aux enfants de manger et d'aller se coucher et je te rejoindrai à la cuisine. C'est pas mauvais. Et je pourrai donc te faire un bonus par derrière. Tu es vraiment un bad boy. Allez. Mon cœur. Chérie. Maintenant que tu es revenu des États-Unis, c'est quoi ton projet? Oh, chérie, je travaille sur un projet, une affaire, disons, dans laquelle j'aimerais m'investir. Alors, je travaille vraiment dessus. J'ai même eu un agent qui pourra m'aider à résoudre un ou deux trucs, voilà. Alors, d'ici là... Tu es en train de perdre le temps. Qu'est-ce que tu attends pour commencer? Bébé, presque tout ce dont j'ai besoin pour commencer mon affaire est déjà prêt. Alors, il ne me reste que un ou deux trucs. Qui serait en train de frapper à cette heure? Qui est là? C'est moi, maman. J'ai un truc à te dire. Précieuse. Bébé. S'il te plaît, quoi qu'elle ait à dire, devrait attendre jusqu'au petit matin, ok? Il fait tard, dormons s'il te plaît. Précieuse, va dormir. Ah, maman, je peux oublier, s'il te plaît, je t'en prie. Précieuse, je dis, va dans ta chambre et dors. Va maintenant. Quitte devant la porte. Chérie, c'est bon. Oh, c'est bon, allez, bébé. Allez, viens là. Qu'est-ce que je disais? Bosco, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Son nom, c'est Marcus. Bosco, s'il te plaît, je n'ai pas de la force pour tes drames ce matin. Tu es en retard pour l'école. Alors, va à l'intérieur et apprête-toi. Son nom n'est pas Donkey non plus. Bosco. Bosco, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Tu vois cet homme que tu appelles Marcus ou je ne sais quoi? Son nom n'est pas Marcus.
Il s'appelle Daniel. Et très bientôt, ce même homme deviendra ton papa une fois qu'on va se marier. Oui. Mon père? Oui. Il deviendra bientôt ton père dès qu'on se marie. Donc arrête ça et va t'apprêter pour l'école s'il te plaît. Son nom est Marcus. On l'appelle souvent Maguagwe. Bosco, va t'apprêter dans la chambre, tu es déjà en retard. Son nom est Marcus ou bien Maguagwe. Son nom est Marcus ou Maguagwe. Son nom est Marcus. Son nom est Marcus. Son nom est Marcus ou bien Maguagwe. Mais c'est quoi ça? Quelle belle gonzesse! Hey ma beauté, comment tu vas? Salut. Désolée de prendre ton temps, je m'appelle Donkey et toi? Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Toi non plus, tu n'as pas besoin de connaître le mien. Hey jolie demoiselle, pourquoi es-tu agressive? C'est comme ça que vous vous comportez ici? Tu proviens d'où? Bien, je suis Nigérian comme toi, mais je viens des États-Unis il y a de cela 2 jours. Oh, je vois, tu n'as pas le même langage que les Nigériens. En fait, j'aimerais juste que... Désolé. Allô, bébé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as mis du temps comme ça? Désolé, j'aimerais juste... Je suis quelque part en train de me procurer quelque chose et... Je me suis juste arrêté quelque part pour trouver un truc et j'arrive. S'il te plaît, je dois aller déposer les enfants à l'école. Il se fait déjà tard. Je t'en prie, ramène-moi la voiture. D'accord, j'attends, mais fais vite. D'accord. Désolé pour cette interruption, hein. Je devais parler à ma petite sœur, ok? Alors, pourquoi tu ne me donnes pas ton numéro pour qu'on se parle peut-être à la prochaine fois, hein? S'il te plaît, puis-je au moins connaître ton nom? S'il te plaît. Arrêté nu. La voiture a posé un problème? Oh non, en fait, c'est juste que j'ai rencontré un vieil ami et un partenaire d'affaires. Alors, on était en train de discuter d'un truc là. C'est pas grave, nous Désolé. Sommes déjà en retard. Désolé. Chérie, hein. On y va. Va appeler ta soeur. Grand homme. Précieuse, Adam, pour le portail. Vite. Ah, en tout cas, je ne comprends plus ça parce que cet homme était déjà censé m'envoyer de l'argent. Hein? Non, mon partenaire m'a déjà appelé, non? Mon partenaire m'a appelé pour me dire que tout était prêt. Mais c'est quoi encore? Mais en fait, nous devons avancer, non? Mais c'est quoi ça, hein? Tu ne comprends rien du tout. À cette heure, cet argent devrait déjà être viré dans mon compte. Attends un peu là. Qui est-ce? Ok, laisse-moi te rappeler. Qui est-ce? Pourquoi ne m'as-tu pas répondu depuis que je t'ai demandé? Vas-tu l'épouser? Hein? C'est une question ou une interrogation? Car je ne sais pas s'il s'agit de quoi. D'ailleurs, qui te l'a dit? Elle me l'a dit. Ce n'est pas vrai. Et en quoi cela te concerne-t-il? Non, dis-moi, en quoi cela te concerne-t-il? Oui, oh.
Ça me concerne parce que tu ne vas pas l'épouser. Ferme ta sale bouche, idiot. Et qui es-tu pour me dire que je ne vais pas l'épouser? Hein? Écoute, laisse-moi te dire. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu avant et je ne t'ai jamais vu de ma vie. Je te connais très bien. Frère Marcus, ma quoi est quoi? Et si tu continues de mentir, je vais l'amener avec moi à l'orphelinat pour te dénoncer là-bas en présence de maman. Et c'est tout. Bosco, ou peu importe ton nom, retiens bien ceci. Tu ne me connais pas et je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu avant et toi également. Ose me dire de bêtises et tu verras. Hein? Tu me verras. Plus tu continues de mentir, plus je vais lui dire. Et je me souviens de comment tu me demandais de voler des trucs aux sœurs là-bas à l'orphelinat. Et encore les voler les mêmes cadeaux que toi tu les offrais. Quand tu en avais l'occasion. Sors-moi l'argent, non? Tu me fais perdre du temps. Sors-moi ça, non? Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Donne-moi ça. Mais c'est combien comme ça, non? C'est tout ce que tu as fait. Hein? Mais j'avais faim, non? Donc j'ai juste pris un peu d'argent. T'as tout foutu en l'air. Bosco, t'as tout foutu en l'air. Donne-moi 500. C'est quoi 500? Tu penses que je ne connais pas ce qu'est l'argent? Attends un peu. Je sais que entre tes mains, tu as 8000 naira. Mais ton plan, c'est de donner juste 500. 500, c'est quoi? Écoute, laisse-moi te demander. Que vas-tu faire avec 500 naira? Si ce n'est qu'acheter les œufs et les ice cream. Regarde ton ventre à ton âge. Tu es aussi gros que Yokozuna. Prends l'homme 1000 naira, non? C'est ce que tu veux. C'est ça, n'est-ce pas? Marché conclu. Ça fait déjà très longtemps que je te connais, oh. Tout ce que je vais faire, c'est retourner là-bas et leur dire ce que je viens de faire. Et ils viendront te chercher. Parce que moi, je me suis déjà confessé à elles. C'est comme si tu oublies facilement les gens, oh. Je te dis, il ne faut pas oublier les gens. Écoute, laisse-moi bien te rappeler. C'est moi, Marcus Makwekwe. Je suis quelqu'un qui ne blague pas avec les petits. Alors si tu oses, je t'apprendrai quelque chose à retenir. C'est compris? Elle ne veut pas m'arrêter, oh. Elle ne veut pas m'emprisonner. Je vais juste partir. L'argent que j'épargne pour toi et tu es là à me raconter n'importe quoi. Tu vois tout l'argent que tu réunis là, je suis en train de l'épargner pour toi. Et comme ça, quand tu auras 18 ans, je vais te les donner. Et tu es là à pleurnicher. Quelqu'un l'a-t-il fait pour moi? Hein? N'es-tu pas sage? T'es encore petit et tu ne sais pas ce que c'est l'argent. Quand j'avais ton âge, je faisais quoi avec l'argent? Prends ça, je t'en prie. Et tu vois ce gros montant? Je vais l'épargner. Et je vais utiliser le reste pour t'acheter des crèmes quand je viendrai te rencontrer. Si tu achètes de la crème, moi aussi, oh, parce que je suis en train de calculer l'argent. Regarde, je t'ai demandé d'arrêter les crèmes et les œufs que tu manges là. Regarde comment tu grossis comme un bouffon et tu veux toujours consommer de la crème. Tu n'as pas pitié de toi, oh. Tu n'as pas pitié de toi du tout. J'espère que tu les gardes bien parce que c'est pour nous, les enfants de l'orphelinat dans laquelle je souffre. Parce que on adore du lait ainsi que de la crème glacée et même du fromage ou des œufs. À quoi? Ok, va-t'en alors. Tu as bien fait. J'avais besoin d'un jus frais. Quel jus frais? Rentre à la maison. Pourquoi ne pas avoir besoin du jus quand tu manges à tout moment les œufs et la crème? C'est qui te rend gros comme ça et tu as besoin du jus frais.
Allez, lève-toi. Bosco, va-t'en, non? Veux-tu offrir cet argent à une femme que tu as trouvée? Je sais que tu es prête à tout. Je te connais très bien. Allez, va-t'en. Va-t'en, toi. Regarde comment il est obèse. Hein? Bien, tu vois, regarde, Bosco. Tu es mon pote. Mon vieux pote. Je sais que tu ne vas pas te réveiller maintenant et dire tout ce que tu sais à propos de moi. Je ne vais rien dire à propos de toi, oh. À condition que tu te comportes normalement. Bosco, qu'est-ce que tu veux dire par normalement, non? Hein? Écoute, sois prudent, fais attention à tes mots, ok? Ce n'est pas parce que tu connais mon passé que tu dois me parler n'importe comment. Tu es même là, assis confortablement et je te regarde comme si... Écoute, fais attention à ce que tu me dis. Alors, ok, pas de problème, non? Mais quel genre de normalité es-tu en train de parler? Tu vas jouer avec moi à chaque instant que je le voudrais et m'amener partout où je voudrais, quand je le voudrais. Écoute, que le feu de Dieu te brûle. Tu me prends pour ton ami, n'est-ce pas? Non, je ressemble maintenant à ton ami à qui tu vas donner ce genre d'exigence. Fais attention à ce que tu me dis, oh. Bien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, non, de quel genre de revoir es-tu en train de me parler, hein? Un au revoir que tu vas lui dire ou que tu vas... Ah, je ne comprends rien. Regarde, bien, ok. N'est-ce pas la crème que tu veux? Je vais t'en acheter. Si c'est ça que tu veux, je vais t'en acheter, non? Je pense que ça va maintenant, ok? Et souviens-toi, tu ne vas pas l'embrasser en ma présence. Que la foudre s'abatte sur toi. Écoute, fais attention, sois très prudent avec moi, oh. Écoute, Bosco, fais attention à ce que tu me dis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi toutes ces maudites conditions? Que je l'embrasse ou pas, ça te concerne en quoi? Tu me donnes toutes ces conditions juste parce que tu connais mon passé. Ok. Ne dérange pas tontine Pamela. Non, surtout pas, sinon tu vas vraiment le regretter. Hein? Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, cher monsieur. Et avec votre esprit. Amen. Oh mon Dieu. Hey! Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous écoutez la musique avec un volume augmenté comme ça? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade? Alors, écoutez-moi. N'osez plus jamais faire ce genre de bruit dans cette maison. Pourquoi ne puis-je plus me reposer tranquillement dans cette maison? Et toi, précieuse, as-tu déjà fait tes devoirs? Hein? Allez, va dans ta chambre, avant que je ne ferme mes yeux et que je les ouvre. Va vite dans ta chambre maintenant. Et toi, viens ici. Approche-toi. Précieux, je dis, va dans ta chambre. Viens ici, toi. Viens ici. Je dis, viens ici. Je sais que c'est toi qui es derrière tous ces désordres. Mais si tu oses encore... maman. Quand je parle, tu rigoles. Hé, mon Dieu. Hé, Seigneur. Je ne sais même plus si c'est les problèmes qui m'ont trouvé
ou si c'est moi-même qui me suis créé tous ces problèmes. On verra. Oui, allô? Ce n'est pas un problème. Juste dis-moi quand tu seras prête. Donne-moi juste l'information 20 minutes avant et je viendrai te prendre. Ça te va? je ne savais pas que tu étais aussi comique. Ouais, parce que tu étais si agressive la première fois que je t'ai rencontrée. Très bien, très bien. Pas de problème. J'attendrai alors ton coup de fil, ok? À plus tard, ciao. Ouais. Viens ici. Tu as écouté ma conversation, n'est-ce pas? Viens. Regarde. Tu vois, je n'apprécie pas la manière de ton approche, même la manière dont tu me traites. Comme si nous étions en train de nous battre. Nous ne sommes pas des ennemis. Je veux juste que nous soyons amis. Hey! Quel genre d'ami? Alors que tu m'as appelé Chucky. Hey, je comprends que tu ne connais même pas la signification de Chucky. Ok, Chucky veut dire quelqu'un qui est comique, quelqu'un qui fait rire, voilà, c'est un peu ça. Tu mens. Hein? Chucky, c'est quelqu'un d'atroce. Et tu n'es pas Donkey, tu es Marcus. Tu vois, c'est Marcus là va te tuer. Il va te tuer. Tu m'entends? C'est Marcus là va te tuer. Mais tu dois être très prudent. Oh. Je t'informe. Juste à cause de... Est-ce que moi j'ai ta dette? Allez, viens ici. Je vais te tuer de mes mains si tu me défies. N'ose pas, oh. Je te dis, n'ose pas. C'est comme si tu as oublié notre marché. Je ne vais pas dire que je vais te tuer pour de vrai. Oh. En fait, c'est juste que tu me provoques trop. Hein? Arrête, arrête ça, tu parles trop. Qu'est-ce qui te prend? Arrête tes bêtises là. Je ne suis pas ton ami, ok? Regarde, tu blagues avec moi. Je ne suis pas ton ami. Continue et tu verras. Pas de problème. Avec ton gros ventre là, je vais te sortir tout ce qu'il y a dedans. Bébé. Bébé, j'ai fini là. Comment tu vas? Oh mec, tu dois voir cette fille. Oh. Tu dois voir cette fille. Mec, elle est bien construite. Ah oui, je te dis, elle est mature physiquement. Mais elle a aussi de l'argent, oh. Mais tu sais qu'il me faut au moins 2 ou 3 paquets, non, avant que je ne sorte. Mais avant mon retour, hein. Cette fille a de l'argent, si tu vois les manoirs dans lesquels elle vit, hein. Oh, très bien, non. Alors, rassure-toi que... Salut, bébé. Prends toute chose. Salut, chérie. Et rassure-toi de les incorporer. Juste fais-les et reviens à moi, ok? Ok, s'il te plaît, prends soin de toi. J'espère que je ne t'ai pas beaucoup manqué. Ce n'est pas tellement la phrase qui convient. Tu m'as tellement beaucoup manqué. Alors, c'était qui au téléphone? Oh, bébé. C'est l'un des managers des compagnies avec lesquelles je travaille. Alors, j'aimerais passer une information à travers lui. Parce que l'entreprise avec laquelle je dois faire affaire demande quelques documents enregistrés auprès de l'État. Alors, je leur ai passé un coup de fil pour me fournir tous ces documents. Oh, c'est ouais, ça? C'est ça. Oh, je croyais que tu étais en train de causer avec une autre. Quoi? Bébé, c'est la jalousie qui parle là. C'est ça. Bébé, t'es jalouse? Tu ne comprends donc pas. Tu m'avais laissé pendant 2 années. Je sais combien tu attires les femmes. Ah! Alors, bébé. Je ne peux qu'être jalouse. Hey, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas à être jalouse de quelque chose qui t'appartient. Ok? Sérieux? Tu vois ce bonobo ici présent. Il est tout à toi. Alors tu peux l'avoir à n'importe quel moment, n'importe quel jour.
Bien sûr. Bébé. Uh-huh. Tu ne sais pas combien ça m'a manqué. Tu as fait 2 ans en dehors du Nigeria. Ah! C'était difficile pour nous deux, chérie. C'est vrai. Je ne sais pas. Rien qu'en voyant ce corps magique, j'ai besoin de travailler dessus, tu vois. Alors, viens ici. Allez. chérie, j'aimerais que tu me fasses une faveur. De quoi s'agit-il? Une faveur. Qu'est-ce que tu veux?